Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un match d'Aviva Premier Chip. Un match qui aura lieu demain par rapport à la sortie de la vidéo. C'est-à-dire qu'il sera là dimanche à 16h sur SFR Sport 2 exactement. Si vous avez cette chaîne, voilà, moi je aussi je le regarderai. Donc entre Leicester et Saracens, deux équipes solides avec de beaux joueurs. Mais par contre, Leicester, on peut le dire, ils sont éliminés de la Coupe d'Europe. Les Saracens, non. Pour moi, je pense qu'ils vont même se qualifier, les Saracens. Mais ils ont eu deux revers face à Clermont. Donc je pense qu'ils ont à cœur de se relever. Ils sont sur une série noire de 6 ou 7 défaites consécutives, les Saris. Et là, ils vont chez les Tigers, à Leicester. Ça va être compliqué. Ça va être très dur. On va jouer avec Leicester. On voit qu'il y a une note quand même de 4,2 points de moins, quand même. Rien que ça. Donc on va pouvoir jouer. Par contre, je vais les mettre voilà, en rouge et noir aux Saris. Voilà. On va mettre 15 minutes, difficulté pro, on est bon, ce sera 2 jours vu que ce sera 16h et on peut y aller. Ça va pas forcément être super simple. Les services sont sacrément bien et mieux notés que. Bon, 4,2 points, on peut s'en sortir. Sinon, ouais, c'est un match quand même qui devrait être cool, qui est à voir. Ces deux équipes, ben, je pense qu'ils ont besoin de se relever, hein, parce que les Tigers, clairement, pour moi les Tigers, eux, vraiment, ils seront éliminés pour moi au niveau de la Coupe d'Europe. Ces deux équipes sont pratiquement de même niveau. Les Saris non, mais les Saris ils sont sur une série terrible de 6 ou 7 défaites consécutives. Ils n'y arrivent plus. Exceptionnelles conditions pour jouer. Et ça va pas être simple parce que là il y a quand même du lourd. La charnière du Quai d'Angleterre, Ben Youngs et George Ford, les talons, Dan Cole, les meilleurs talons au monde, si ce n'est les meilleurs talons au monde. Tuilagi qui revient, alors il a encore besoin de prouver. On l'a vu, il n'est pas encore. Manque d'efficacité, il a fait quelques en avant. Le week-end dernier, après il pleuvait. Il voilà. Y a du lourd, Croft, on peut annoncer que je pense pas Tate, mais c'est vrai qu'il est très bon. Match de rugby. Bon, du côté des Saris, c'est même plus à présenter, on connaît cette équipe énorme avec que des stars. On va essayer de gérer, mais ça va être vraiment un beau match. Les deux équipes qui ont besoin de gagner, les Saris ne sont plus que 3e, ils sont vraiment loin quand tu regardes par rapport à, par exemple, au classement, par rapport à... Lâcher, essayer de le récupérer au contest. J'ai arrivé. Les Saris sont là par rapport à Exeter, ils ont genre 10 points de retard. Ils sont passés même derrière. C'est quelle équipe qui leur est passée devant l'autre équipe? Flexion. Mêlée. Ce serait pas Glau... Non, c'est pas Gloucester. Je. En tout cas, je sais que les Saris sont passés 3e au dernier match. Donc... Et là, à l'extérieur, chez les Tigers. Moi je perso je mettrais une petite pièce sur les Tigers, ça va être difficile autrement d'aller les battre, mais bon on sait jamais, Allez Hamilton, on a bien fixé, et il y a Manu Tuilagi. Non ça prend. Un ballon mort, c'est pire qu'un touche, non mais. Ah là là, faut que je repique plus intérieur évidemment là, c'est mal joué de notre part, on doit vraiment repiquer intérieur. Que de bêtises. Allez, Ben Young, George Ford, Tuilagi, boum. Et là, en plus, j'alterne entre Rugby 18 et Rugby Challenge, donc il faut pas mélanger. Dan Cole, boum. On essaie de... Allez, on va la perdre. Faut se réhabituer, toujours pareil. Ça change quand même le gameplay entre ces deux jeux de rugby et... Faut à chaque fois se réhabituer. Allez, Tate, un crochet qui passe, pas deux, et les... On s'est gratté de suite, et là ça sent pas bon. Allez, faut la regratter de suite, nous aussi, George Ford. Il garde le ballon au sol pour moi, monsieur l'arbitre, attention, on a pas de 15 là derrière, on la gratte avec Salvi. Alain, Tuilagi, on trouve Parling, et Goneva qui maintenant a une Newcastle, je crois, Goneva. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Ouais, Goneva il est à Newcastle, je crois qu'il a été. Avec un bon sprint. Il est là-bas. Ce qu'il nous a mis, je crois que c'est mec là. Le cul qu'il a mis au. Arnaud Jarre, vous allez voir, on va le regarder, mais le dernier tour. On se fait manger là, vous allez voir, déjà il fait la bonne passe là. Et là, boum. C'est sur Ben Youngs, mais bon. On a pris très très cher. Entre les perches. Yoann Farrell. Bien tapé, ce qui coup transforme 7-0. Ça a l'air de passer, les drapeaux se sont levés. C'est pas tip top tout ça. Allez, c'est pas grave. Ils vont être contents. Allez, bientôt la reprise. Essayez
Hop, ouais, bien, Gonéva qui vient récupérer. Mais là, maintenant, il faut du monde dans le ruck. Il n'y a que Dan Cole qui vient. Ça va être difficile ce match. Si on perd tous les ballons dans les rucks. Transmet le ballon à son coéquipier. Alors là, la règle. Qui sort directement ah voilà, la règle, touche. C'est qu'elle était sortie, re-rentrée. Donc elle est pour nous. C'est la bonne règle, là, je crois, qui est appliquée. On va essayer d'envoyer un fond d'alignement, mais ils nous ont bien suivis. Mais allez, et c'est parti. George Ford. Oh, il est passé en crochet. Et puis, il enchaîne à la passe. Kitchener et Hamilton. Et c'est laissé. Voilà, on réagit de suite. Très, très vite. On ne s'est pas laissé faire. Pas mal, c'est pas mal, hein, George Ford qui va. Bon, après, la passe est pas parfaite, mais il a réussi à faire l'avancée. Dan Cole est là. Mais ouais, ça devrait être un match assez chouette à voir, en tout cas, avec deux équipes qui ont vraiment besoin de victoire pour se rassurer. Mais vu qu'on les samis, ils n'y arrivent pas ces derniers temps, je suis pas sûr qu'ils y arrivent encore. C'est difficile pour se relancer d'aller au Tigers. Alors les preuves, ils enchaînent à Clermont, suivi des Tigers. C'est compliqué, c'est sûr, mais bon. C'est comme ça, faut faire avec. Dommage. Alors déjà, désolé si vous m'entendez un peu renifler et tout ça, je suis un peu enrhumé. Flexion. Mêlée. Donc désolé par avance. Je. Même si j'essaie pas trop renifler pendant la vidéo. Je me dis allez, 10 minutes sans renifler. Je vais tenir, mais par contre j'ai une voix toute bizarre. Le ballon est sorti. Les belles batailles, mais le ballon est disponible. On va essayer quand même de se concentrer. On est revenu à 7 partout, c'est bien, on a bien réagi après ce premier essai de Maitland. Mais les services, on sent qu'ils sont. Ils nous cassent les plaquages dans les rucks, ils nous dominent largement. Donc ça va être compliqué, ça va être très très compliqué de gagner, même si on est bien revenu à 14 partout. Bon contest. Allez, bon. Allez, celle-là on peut la gratter, je pense qu'il s'est un peu éloigné du soutien, ça arrive, mais non, pas tant que ça. Vous Nicolas qui... Allez, Gonéva, Tate, on revient, on donne un score, mais on est de nouveau à défendre, d'un 22 et... Il attaque la ligne. Allez, on contre-règle. Lâché. Le rock est formé, il doit relâcher le ballon. Qui sont à 20 mètres de la mute. Bien, ça c'est le... À chaque fois j'y crois, je donne un faux espoir. Ouais. Attention. Brad Barry qui nous casse le placard. Oh là 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 là, on a eu chaud les gars. Mais on s'en sort. Comme on a pu. Allez, on va envoyer sur Parling à milieu d'alignement cette fois. Young et George Ford pour trouver la touche. On essaie d'avancer au max et. Ah, beaucoup de pieds de George Ford. Ballon qui ramène à peu près sur les 40 alors qu'on était complètement dans notre but. C'est pas si mal, même si ça va nous obliger à défendre encore dans notre camp, hein, mais voilà. Le capte impeccablement. Voilà, on va dire limiter la casse, on essaie de les arrêter très vite dans ce mall. Attention à la passe. Attention. Reçoit la passe. On y va. Ouais, bien. Enfin, je me suis dit, allez, il va pas refaire une passe intérieure. Et on essaie de. Et c'est, ça a marché. Et si on essayait de faire un mall cette fois, alors j'éloigne un peu ma manette pour pas trop vous casser les oreilles. Ah, sauf qu'on est plaqué de suite. On est plaqué de suite. Alors, et on va essayer de jouer l'occupation si vous voulez bien avec George Ford. Regardez, ça peut être un très beau coup de pied, ça. Oui, monsieur George Ford qui fait mal. Qui trouve la deux coups de pied. Et ce sera une touche. De son but, deux coups de pied. On se retrouve avec une touche sur les 7-8 mètres de l'embut des Saris. Et on vole le ballon. Ça, c'est important. Et George Ford, il est chaud en ce moment. Lâchez pas. J'étais tellement chaud avec George Ford. Je me suis dit, allez, on tente ça. Et là, direct pénalisé, alors qu'on n'a pas gardé le ballon longtemps. Vous avez vu comment ça a été instantané, alors qu'on a essayé de garder la balle à peine. Ah, une belle touche. L'équipe des Saracens va obtenir une touche. Owen Farrell. Mais là, il y a deux grands Issa qui s'affrontent juste pour ça. Franchement, c'est l'occasion de voir ce match. Là, t'as
T'as deux sacrés demi d'ouverture quand même. Ça fonctionne très très bien. Allez. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Tu verras pas. Wiggleworth trouve un coéquipier. Ballon porté pour essayer de ça progresser. Là, ça va être difficile ce match, mais vous l'avez dit, hein, ça. Chris, avec le ballon. Et oui, il est notre 15, là, notre arrière, on n'a pas du tout de second end aussi. C'est bon, ça, il est allé se placer, c'est à cause du maul. D'ailleurs, il vaut mieux l'avoir à Matthew Tate, là. Lâcher, on lui fait signe de lâcher le ballon. Essayer de pas se faire sanctionner en essayant de gratter la balle. Là, on peut la gratter. Oui, oui, on la gratte. On essaie de lancer Hamilton qui passe un premier crochet. On a essayé de fixer. C'est pas trop mal, mais. Un peu trop en bord de touche, malheureusement. Et Parling s'est retrouvé éjecté. Allez, on touche en 3, on les met en difficulté. Allen, hop, j'ai tenté. Avantage. Ben, en avant. Et il perd le ballon. En avant, et Dan Cole, regardez là. Ah, ah mince, il va siffler la mi-temps. Dommage. J'ai tenté la longue sautée avec Dan Cole sur l'aile. Il n'a simplement pas pu contrôler le ballon. C'était pas mal là ce qu'on a tenté là avec Dan. On le verra pas. C'est la mi-temps et les deux équipes sont partout. Possession, c'est quasiment du 50-50. 51-49 territorialement aussi, c'est assez équilibré. Très équilibré. Bon, pour le moment, c'est pas malgré une plus grosse possession de notre part, regarde, on a fait beaucoup plus de plaquages. Alors tu sais pas comment ça peut marcher comme ça. Le match va reprendre d'un instant à l'autre. J'essaie de comprendre, je vois pas comment c'est possible. C'est qu'on porte énormément le ballon sans être plaqué. Il charge. Allez, et on a le vent contre. Allez. Ouais, bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah, dommage. On a tenté la relance avec George Ford. Il y a pas de soutien là, monsieur. Ouais, ils ont. Il aurait pu mettre qui gardait le ballon. Ben Youngs, allez. Il y a du soutien. Regardons, j'ai tenté. Non. Ok, erreur. Allez, on va essayer de bien accompagner. Là, tu as aplati. Oui, monsieur. C'est pas mal. On est allé chercher la croisée avec Ben Youngs. Je l'ai fait exprès. Là, je savais que je pouvais pas aller chercher la vitesse. Donc, hop, je décide de faire la croisée. Et là, par contre, après, j'ai un peu paniqué en tapant au pied. C'était pas ce que je voulais faire. Mais au final, bah, ça a payé malgré tout. On arrive à l'occasion de prendre je sais pas si ça vous intéresse beaucoup le championnat d'Angleterre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués au championnat de France, etc. Moi j'avoue que j'aime plutôt bon. Et il a réussi la transformation. Et le championnat, honnêtement, le top 14, je regarde un match tous les week-ends. Parce que n'ayant pas canal, je les regarde en streaming, donc c'est moins pratique, la qualité est moins bonne, etc. Alors que le championnat d'Angleterre, je regarde 3 matchs par week-end. Évidemment, je connais mieux le championnat d'Angleterre sur ces deux dernières années. Mais bon, alors après. Moi j'aime bien les deux, c'est différent. Je préfère le jeu de championnat d'Angleterre, c'est plus joueur. En touche, ballon bon, voilà, après, c'est le championnat de France, c'est nos villes, c'est les villes où on habite, etc. Donc c'est un autre charme. Leurs efforts sont bien récompensés. Allez, Bonneva. Il percute. Oh, c'était pas mal tenté ça. J'ai bien aimé, c'était bien tenté là, la petite Chistera après. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont. Parce qu'en fait, pour avoir la chaîne SFR Sport et donc pour pouvoir regarder le championnat d'Angleterre, il faut être chez SFR. Donc je sais pas si SFR. On recule beaucoup là, Je sais pas si SFR a beaucoup de clients. Remis sur ses pieds pour contester le ballon. Mais il faut reconnaître que quand t'aimes, parce que je sais qu'il faut aussi le foot anglais, etc. Moi, c'est surtout pour le rugby anglais, le foot anglais, je le regarde pas. Même si je l'ai. Allez c'est pas mal ça. Oh, la petite fin de passe s'est passée. Puis le crochet de Bonneva. Et regardez, c'est Wigglesworth qui tente de rattraper Bonneva, mais il n'y arrivera pas. Et on va marquer le 3ème essai du match. On n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. Je rappelle que le championnat d'Angleterre, c'est comme en Coupe d'Europe, c'est 4 essais. On s'en manque de recevoir, enfin, de concéder des essais. Il était pas mal l'essai avec la petite fin de passe là. Tchac, fin de passe. À cause de ça ralentit l'adversaire. Et là, on va pas voir notre crochet. Mais. Belle action de Bonneva, solide et pour ce coup de pied. Et on tue quasiment le match. Quasiment, hein, on va dire, c'est pas encore fini. On sent que ça va passer entre les poteaux. Ça passe. Les drapeaux se lèvent. C'est pas fini, les 12 essais transformés, on sait que les Salus peuvent le faire. Ils sont déterminés. En 27 fausses minutes, mais c'est. Mais surtout si on fait ça là. Bien réceptionné. Allez, George Ford, Bonneva.
mais on va la conserver. On va la conserver. J'aimerais bien. Hop, George Ford. Ah, j'ai voulu faire ça. Ça marche. Un crochet, deux crochets. Il a. Ford, il est. Il est. C'est un carnage ce qu'il fait. Allez, Kitchener, on essaie. Et là, c'est tout. Le problème de. On va essayer de faire un peu de pick and go. C'est vrai que c'est un truc qui manque dans. Fait une passe. Avantage. C'est un truc qui manque dans le mid-change par rapport à rugby 18. C'est vrai que le jeu en pick and go qui est cool d'aller boum, tu bourrines avec les avants. C'est un truc assez cool. On peut pas trop faire sur rugby challenge. Il décide d'y aller tout seul. Il revient sur l'action de parling. Mêlée. Il reste 20 minutes au Saris pour aller marquer. S'il marque après, on essaie de transformer. Il va mieux chercher une bonus défensive. C'est 7 points. Encore une fois, c'est comme un groupe d'Europe et pas. Et pas comme un top 14. Hein. Puis il y a des règles différentes. On sait pas trop pourquoi. Il passe vers l'intérieur. Boum, boum, boum. Allez, il nous casse sous le plaquage. Bon contest. Voilà, allez, on contre rush. On essaie de pas se mettre à la faute non plus. Berg assure la passe. Attention, il a des appuis. Hop là, hop là, hop là. Une courte passe. Boom, Hamilton. Oh, il garde le ballon au sol, un peu moral, je dirais, mais bon. L'arbitre ne signalera rien. Attention. Chaîne. Ils vont arriver dans les 22. Oui, oui, monsieur Kitchener. C'est pas mal, George Ford. Ah, j'ai essayé le petit coup de pied à suivre avec George Ford, mais. Récupérer. Et on va la regretter celle-là encore. Oui, et Ben Young de nouveau qui met la folie. Ah, ça, on va essayer. Et c'est son frérot qui met le Tom Young. C'est pas mal quand t'as les frérots qui jouent comme ça. Alors, Tom Young, il arrive pas à. Lâcher, à obtenir sa place dans le 15 de la Rose. Il a fait quelques matchs mais il n'arrive pas à... Après avec Jamie George c'est difficile de l'apprendre. Dylan Hartley le contrôle à l'arrière. C'est difficile, t'en as deux qui sont vraiment il s'est rapidement remis sont sur vraiment installés au talon dans le 15 de la Rose. Allez, tout la guy, ça court un peu trop de travers et voilà. Et on le conteste. Et on le subit de suite, on voilà ce coup de travers, hein, c'est bien fait et on n'arrivera pas à rattraper avec Crane là. C'est le deuxième essai de Maitland. Il va, il marque. Et ça fait qu'ils reviennent, ils vont chercher le bonus défensif si les Owen Farrell transforme. Bien joué. Action. Et ouais, on va voir si Owen Farrell transforme. Et s'il transforme, ils vont chercher le bonus défensif. Et puis il veut aller chercher le match nul, sur un essai transformé. Nous, on veut toujours marquer le 4ème essai du bonus offensif, c'est toujours l'objectif. Alors non, remporté par les deux équipes, comme dit Lombard, je pense pas, je vois pas les services marqués par deux fois là, mais il faut encore marquer une fois. Hein. Allez, attention, il n'y a pas de soutien là. C'est pas possible, on est en train de jouer à l'envers en ce moment. Allez, Tulagi. Oui, Tulagi qui vient de gratter. Rien de temps de faire, oui. Beaucoup de monde. Essayer de partir là. Ah, c'est difficile. Allez, Hamilton. De suite, lâché. On va travailler pour essayer d'aller chercher cet essai. On approche de la allez, fin de un mode de pick and go là. Et là, est-ce qu'on va pas le regretter très vite à l'origine de ce ruck. On va la conserver. Allez. Ah, mais ouais, ça met tellement longtemps à sortir le ballon, c'est difficile. Il y a par contre un trou là. On a. Qui sprint. Allez. Lâché. Il doit le relâcher maintenant. Il faut se mettre à la faute. On va voir s'ils vont décider de jouer au pied ou de tenter. C'est eux qui sont mis à la faute. Oui. Alors là, on pourrait tenter la pénalité. Et tu les sors du bonus défensif, tu t'assures la victoire, etc. On va essayer de les sortir du bonus défensif, prendre le bonus offensif en même temps. On va essayer la totale. Et pour faire la totale, il va falloir trouver une belle touche par George Ford. Un dégagement qui atterrit en touche. Et là, touche à 5 mètres, parfaite la touche. Et là, je tenterais bien un maul si on pouvait y arriver. On va envoyer en fond d'alignement et. Allez, j'essaie de faire un maul. Donc pareil, j'essaie d'éloigner la manette. Allez, on sort le ballon là sans qu'il s'y attende. Et avec Tom Croft, on y va. Et il faut réussir à aplatir là. Oh là 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 là. Oui, il est accepté.
Ah, c'est plus que l'essai de la victoire, c'est l'essai de la victoire, mais aussi du bonus offensif et d'enlever le bonus défensif au service. Ça fait mal ça. Mais là, vous voyez, normalement là, il devrait pas être comptabilisé l'essai parce qu'il arrive à nous retourner. Et vous voyez, on n'arrive pas à aplatir, c'est parce qu'il va nous lâcher dans le second temps. C'est un truc. Le système que tu puisses n'a pas y avoir essai, etc. Dans ce jeu est cool. Mais à côté, ça c'est un peu un raté, je trouve. Et George Ford qui a une super réussite au pied. Beaucoup de pied. Cette année, il est vraiment très solide au pied. Ça fait plaisir de le voir. Il a plus de 80% en taux de réussite. Il est genre à 85%, je crois, de taux de réussite cette année à George Ford. Et le match terminé. Très très bon au pied. L'an dernier, c'était un peu moins sur le cas. Et là, ça fait du bien. Voilà. Moi, je vois bien une victoire des Tigers. Alors, est-ce qu'il y aura des bonus offensifs? C'est possible dans le championnat d'Angleterre. Des fois, il y a tellement de blessés que ça peut arriver, même si ces deux équipes, quand même, c'est pas les plus joueuses du championnat d'Angleterre. Donc, je suis pas sûr et certain. Et je vois une victoire des Tigers. Et les Sirius, je pense que déjà, s'ils ramènent le bonus défensif, ça serait pas mal après ces difficultés ces derniers temps. Mais ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent même les battre aux Tigers. Et Tiger c'est solide aussi, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve très vite pour d'autres matchs et sur d'autres jeux, sur d'autres vidéos, etc. Blablabla. Allez, bye bye.